Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue dans la troisième sortie émission, mon éditorial avec Yannick pour semaine là. Déjà, faut moi dire nous, côté politique, nous gagnons une semaine là qui surchargée. Parce que nous connaissons et rencontre qui a fait, un dialogue, négociation qui a fait entre Montana Penn avec accord en septembre primaturant, Ariel Henry, etc. Officiellement, hier, c'était la troisième rencontre qui était gagnée. Entre gouvernement Ariel Henry, disons Ariel Henry, avec Siate Akon Septembio, avec monsieur Dam Montana Penyo. Je vous le dis en vérité. Si c'est nèg sa yo, monsieur Dam sa yo, quel te Montana Pen, quel te Akon Septembri mature, si c'est yo, n'attend pour vin, pour yo jouer non entente entre yo, pour yo retirer Haïti dans problème ni là, pour yo porter sécurité, bay peuple haïtien, nous mêler, nous foutu. Nous vendons nos obos, pas de monde qui va acheter nous. Hier, rencontre pas quand même commencé. Faut que moi explique nous. Rencontre pas quand même commencé. Négociation pour qu'on même commencé. Protagoniste, gen tan vle mette ponyet, nèg yo gen tan vle bataille. Déjà, le monsieur Dam Montana Penn yo vini. Le différenciateur accord 11 septembre vini parce que tu gagné deux membres commission accord et 11 septembre gagné deux membres commission et Montana Penn tu gagné différents l'autre signataire accord 11 septembre qui était là. Premier ministre Ariel Henry moun yo gete rencontré moun yo chita tan premier ministre Ariel Henry li poko jam paraît point tête li. Maintenant pour ka gen yon préaccord par en prélude avec négociation qui pral fait yo faut gagner yon entente qui joigne sous feuille de route sous ça yo pral discuter entre yo. Eh bien principal point qui t'est dominé et débat discussion yo c'est causer exécutif à deux têtes bicéphale parce que nous connaît pas bon côté gouvernement Ariel Henry toute volonté yo c'est pour Ariel diriger tête l'État comme seul homme, lui-même seul comme premier ministre, lui-même seul dans primature, pas de question exécutif bicéphale, pas de question président de transition, puisque lui joue voilà à la fois président, premier ministre, il est le roi actuellement en Haïti. On y a, les différents et membres accord Montana Penyo, yo même yo vini avec question et faut gagner parce que te gen fait élection depuis janvier là yo pral gagner 7 mois là depuis yo bon président et cap dormi non au coin cap kanni yo bon premier ministre transition cap kanni non au coin faut yo jouer tout civis pour yo est-ce que yo ka introniser yo est-ce que yo ka mettre yo dans tête l'état dans tête pays. Madame Magali Komode ni poko même l'ouvri bouchi pou le mette point sous table pour le dire bon ok, et mais qui ça qui pral à l'ordre du jour, nous pral parler de l'exécutif bicéphale, etc. Nous pral garder comment nous ka jouer nous en tête pour gagner un président de transition, pour gagner un premier ministre de transition qui pral assurer la continuité de l'État réellement. Mais m'pral dou ki sa nèg yo peur véritablement. Parce que si yon fait choix de si yon fait choix de stratégie Montana Penn mette sous table là pour gagner un exécutif bicéphale un président avec un premier ministre automatiquement question encore en septembre question Ariel Henry va exister encore parce que jodi Ariel Henry existe opposition politique qui était en face Jovenel Moïse pendant plus de 4 ans li existait c'est parce que t'es gagné encore en septembre nèg yo te chita entre yo yo planifié comment yo pral mettre instabilité en dedans pays hein? Comment yo pral pousser insécurité en beaucoup plus pour pousser dos nous comme haïtiens mettre nous dehors en dedans pays non donc c'est ça qui à travers encore en septembre là. Ou de mettre de André Michel Dabdou à en septembre, c'est un prélude, c'est un prémissier pour qu'on joue une entente, pour qu'on arrive à mettre sécurité, mettre stabilité, relancer l'économie, depuis le monté, pour aller à la commission qui prend le travail, pour regarder comment yo ka mettre sécurité en dedans quartier populaire, yo, tout ça c'était bluff, c'était manigette. Jodi en réalité en li visible devant nous, nous tout a regardé qui sa réalité en Haïti en jodi en, ou a regardé c'est insécurité. Ou ap gade se massacre Cité Soleil, ou ap gade se massacre La Plaine, ou ap gade économie qui fait carré prend baf, jodi un dollar américain 135 goud. Donc, nèg yo à travers l'accord de septembre, yo planifié déclin Haïti. Yo planifié pour yo finir avec institution. Yo sous Jovenel Moïse, institution yo te fin craser, institution yo délabré, yo craser institution, yo craser pays, etc. Jodi a, qu'en est-il des institutions en Haïti?
institution qui placé pour prendre grande décision yo qui ça a régler jodi. Donc si nèg yo aussi accord en septembre blanc, si Ariel Henry t'a quitté même on voit l'accent minime que lié pour non négociation qu'a fait là pour Montana Penta vin sous table avec exécutif bicéphale là, pour lui c'est déjà un piège. Et c'est ça que faut ouais. Nous gagnons Louis Gérald Gilles qui c'est youn nan responsable ou bien youn nan représentant parti politique nous là. Li même li dou très clairement, li dou carrément jodi an la préoccupation signataire 11 septembre yo, li pa ni exécutif bicéphale, li pa ni question président avec premier ministre, mais li c'est intérêt yo gagné pour résoudre problème insécurité hein, intérêt yo gagné pour porter solution avec des gringolades qui gagnent et secteur économique là pour yo chercher mettre stabilité politique en dedans pays. Mais pour jouer une stabilité politique en jodi, il faut que yon entente qui joue avec protagoniste, il faut que yon entente qui joue avec Montana Penn. Mais ça m'a pas comprendre véritablement. Pour qui ça? Monsieur Dame Montana Penn, yo a exigé pour gagner yon exécutif bicéphale sous prétexte que faut que yo fait respecter principe démocratique yo, faut que yo fait respecter constitution, faut que yo respecter à la lettre l'idée constitutionnelle. Mais je dis on a trouvé Mouredon dans le map de retourner sous Jovenel Moïse. Mais le Jovenel Moïse de là on nous regarde, c'est même c'est majorité moun qui regroupé dans encore en septembre blanc, c'est eux même qui étaient en face Jovenel Moïse. Si reste là jodi a aujourd'hui dans Montana Penn, yo tout te constitué en véritable opposition politique. Mais yo pas choisi respecter l'idée de la constitution. Non mais Jovenel était là, pas vrai? Parce que yo te gen des intérêts. Yo pas choisi dialogue parce que yo te gen propre intérêt yo ap défendre. Alors que sous Jovenel Moïse, te gen stabilité politique. Te gen besoin pour relancer l'économie. Te gen besoin pour te protéger population. Te gen insécurité, te gen violence. Tout bagay sa, te gen massacre. Nous ta vivi en dedans pays. Mais jodi, nèg yo assuré, yo fin krasé constitution net. Yo fini avec la constitution. Question respecte l'idée de la constitution. Ou est nèg konnen gen constitution en Haïti, c'est leur intérêt yo menacé. C'est leur intérêt pour yon défendre, yon konne pays en gon constitution, gon maman loi. Mais, qu'est-ce qui garantit nous gagne Montana Penn prend pouvoir, mettons président de transition, mettons premier ministre de transition? Qui garantit ou gagne que pral gagne sécurité? Qui garantit ou gagne pral gagne stabilité politique? Qui garantit ou gagne élection en privé faite? Qui garantit ou gagne transition pral mette campé en son transition pral respecte l'idée de la constitution? Pour yon dou, pour yon gen yon transition, plus dure le café, plus tel café, c'est 3 mois. C'est 3 mois pour yon organiser l'élection rapide vite. Jodi an la, qui sa nèg yon a planifié? Yon a planifié comment pour yon version PHTK et 3, comment la fin écrasé qu'est l'État, comment yon fin prend l'argent, aller plein poche yon, et puis yon même pour yon vin mette kopa yon, pour yon vin plein poche yon, pour yon aller. On nous regarde. Non, m'bral moutou on bagay. Pour dire, est-ce que nèg ka fait politique en Haïti, est-ce que c'est pas poche yo vin plein vraiment? Parce que, ou ka pa comprendre ça ka passe à de là. Parce que nèg yo gon façon yo rentre dans politique là, gon façon le a fait politique pendant yon de dans l'état, gon façon yo vinye. Photo sa, ou kon ki est-ce? Ouais, qui est-ce? Ça, c'est Liz Kittel. Gardez qui tel, le ça qui tel était à la fois ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Gardez qui tel. Gardez quand qui tel. Bref. Gardez qui tel fait rentrer dans le pouvoir, qui tel fait jouer rôle ministre, etc. Pourquoi gagne tactique, pourquoi gagne manœuvre, pourquoi gagne subterfuge, etc. Jodi, on va regarder qui tel dans photo ça. Ouais, c'est même qui tel là. Est-ce que c'est même qui tel là, ou est-ce que l'huile qui a coulé sous qui tel, les pâtes miel qui a coulé sous qui tel? Qui tel en forme, qui tel presse, qui tel frais, qui tel. Oh, wow! C'est ça qu'on ministre. Regarde PM Ariel. Ça dit, PM n'en fait vote. PM n'en fait vote, si coucou, votre PM n'en fait pas, PM n'en fait gym parce que bagay yo trop bon. Jovenel à un certain moment, pas trop tête Jovenel qui te rete seulement. Ou pas toi cette petite tête Jovenel qui t'est restée sans corps parce que tellement problème dans d'elle, pas rien sommeil, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à manger, ou stressé,
opposition que t'es des journal, c'est pas la moindre. C'est pas la moindre. Son opposition qui musclé, Atea y a fait mouvement, il y a bon problème Atea, il y a fait réunion politique champouelle, il y a bon problème à travers propre institution parce que des oppositions ont été oligarques d'elle. Oligarque infiltré administration publique, on pas besoin d'où qui problème Jovenel te gagne. Si zo boit tête l'autorité. Je dis ou gen au pouvoir là, y a pas aucun problème. Y a pas gen opposition en face. Donc ou pensez Ariel Henry prend Montana peine proposition? Hein? Ariel pas prend Montana peine proposition. Et d'ailleurs pas considéré comme rien. Il pas considéré comme rien. Réunion a fait ou konn ki date réunion, konn ki leur réunion choisi vin en retard. Bon, comme c'est pas réunion, le théâtre, en fait. Comme c'est pas réunion, puisque, ou, monsieur, dame, y'a pas même qu'à joindre, on entente pour y'a mettre un pré-accord, pour y'a mettre l'ordre du jour, pour y'a mettre différents points qui prennent l'ordre du jour, pour y'a établi point de discussion, yo. Donc, on pas besoin d'où, pour n'exagérer, pour y'a t'arriver, joindre en tête. Kounya, qui ça fait? Qui ça fait? Et, accord en septembre, primature décidé, li campé tout bagay. Là, y'a campé tout bagay. Yo décidé yo di monsieur dame Montana Pen yo yo pral penser son nouvelle formule est-ce que attendez accord en septembre yo même yo pas dans question exécutif à deux têtes yo pas besoin président genre il a gouverner pays a diriger pays bon Montana Pen yo même yo vle président à tout en premier ministre moun pa yo. Et puis, qui est-ce qui gagne un monopole de décision? Qui est-ce qui a pris décision? C'est la primature, c'est Ariel Henry. Mais Ariel Henry décide. Et nous, quand on fait tout le bagaille, m'a dit nous qui l'a, n'a pour reprendre négociation. Nous songez la dernière fois, Ariel, la primature, t'es décidé quand on fait négociation. Nous songez, c'est sous 3 mois, on t'es reprendre. Reprendre qui ça? En négociation, pas jamais qu'à aboutir. Là, négocier. Ou négocier dans qui objectif? Ou négocier dans qui objectif? Pour joindre une entente. Ou négocier, nous chita, nous dialoguer, nous parler, parce que gros problème qui besoin solution. Mais je dis, honnêtement, est-ce que problème paysan sont exécutifs liés à deux têtes? Bah, pas ma vie ou dans commentaire. Est-ce que je dis, problème paysan, c'est un président nous besoin réellement? Parce que moi-même, faut moins honnête. C'est pas craser Montana Pen, voyez Ariel monter, jamais. C'est pas craser Ariel, voyez Montana Pen monter, jamais. Moi là pour me boire vérité en janvier pour nous faire le juste milieu pour nous chercher équilibre. Je dis un problème paysan, nous gè problème sécurité. Nous gè problème dans système économique là. L'argent goud nous, l'argent pays nous prend baf, ça pire de gonz oreille bourrique, dévalorisé net. Et nèg tellement malhonnête, tout donner 5 millions de dollars américains. Faux dollars nèg te vin avec là pour yo injecter sur marché. Pendant BR à chaque jour, vire tout nous entendez, il y a injecté 5 millions, 10 millions, 15 millions, par qui ça, par qui stabilité gagne dans l'économie. Mais on paquet mafia, on paquet gang, yo choisi, yo vina 5 millions faux dollars là, 5 millions faux dollars américains pour yo vini, vin circuler sur marché de changeant, vin circuler dans l'économie. Nous t'a prend faux dollars et nous pas connaît. D'autant la police pas boule, yo gen risque toujours pour yo vin dans l'économie. Ça faut nous clair sur lui. D'autant l'argent ça yo pas détruit, à n'importe quel moment yo ka disparaître là, yo ka disparaître. Et puis c'est tant d'autant de prend faux l'argent tant que chien fou à terre là ou pas contre côté aussi. Vérité qui gagne c'est que jodi problème politique qui gagne là li pas un problème exécutif. Li pas un problème pour dire ou besoin président. Et problème pays gagne là c'est pas un président qui va le résoudre. OK, c'est pas un président qui va le résoudre. Supposé gagne entre différents protagonistes yo. Supposez un dialogue largement qui fait avec différents acteurs yo pour au moins pour jouer une solution avec problème là. M'ra dit si nèg yo te gen bonne foi vrai parce que toute mobilisation nous té ouais SDP dire pod t'a fait dans la rue là parce que gen même branche dire pod là dedans Pen Montana c'est même yo même non. Toute mobilisation ça yo t'a fait dans l'espoir que yo te permettre pour haïtiens vivre mieux. Dans l'espoir pour Jovenel, Jovenel pas de kabay résultat, yo même si yo vin yo kabay résultat, y'a pas de manger dans bol, nous y'a pas de sécurité. Mais écoute, jodi yon se nèg sa yo qui nan pouvoir yo. Se nèg sa yo kap coupe, kap rache. Se nèg sa yo qui en relation avec secteur privé. M'attendé yon nan représentant accord en septembre.
Parce que nous gagnons un secteur privé là qui a rien qu'à quoi, rien qu'à quoi, yo, pas voulu rentrer directement dans la négociation. Yo. Parce que la commission, madame la lime de mettre campé avec Ariel, parce que vous avez mis ton commission là-dedans qui te gagne Monseigneur Ogé Beauvoir, te gagne Corpu à la dalle, te gagne l'église là-dedans, te gagne CCIH, chambre commerce à industrie là-dedans, qui te gagne responsabilité pour yo. Si tu as parlé avec différents acteurs, que tu es dans la politique, là, que tu es dans la société civile, là, etc., chercher ou entendre, présenter un rapport avec le gouvernement Ariel Henry pour voir qui est dans l'idée, monsieur, dame, qui est dans Mayo. Jusqu'à présent, le rapport fin présenté, il y a toute idée, toute ligne directrice, dialogue, te fait, etc. Il n'y a pas en mesure pour rejoindre ou entendre. Comme si tout dialogue nous donne à nous chita parler, on nous chita parler, on nous chita parler, on ne pas jamais dans qui objectif, on ne pas jamais dans qui intérêt. Parce que ce n'est pas conscient que vous pas conscient que y a un problème de sécurité. Ce n'est pas conscient que vous conscient que vous kidnapping qui a ravagé le pays. Et ça, puis loin, vous êtes conscient que vous avez fait des armes. Vous avez fait des armes qui rentrent dans le pays. Vous avez fait des munitions qui rentrent dans le pays. Quand des balles sont sorties, etc. Mais pas jamais de aucune disposition qui prend. Et c'est ça que je dis, extrêmement important pour la communauté haïtienne qui vit dans la diaspora, la communauté haïtienne qui est influente. Je dis, plus que jamais, Haïti a besoin nous pour nous intégrer dans la bataille, pour nous prépositionner dans la bataille. Il une façon de jouer rôle pas nous à l'extérieur. Jouer rôle pas nous à travers différents organismes et institutions aux États-Unis qui ont même qu'à prendre contrôle et question d'armes qu'à prendre en Haïti, munitions, balles qu'à prendre en Haïti pour aller jouer un bandit, qu'à tout le monde en Haïti. Parce que, bon, nous, les armes rentrées, les gens qui sont clairs, les gens qui ont fait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 200 000, 1 million de dollars américains sous l'île. Parce que, y'a pas, bon, nous. Yo pas kyan non si y'a bay pot 20, si y'a gresse men moun nage douanier yo. Moi, je m'entende des informations qui baissent Gina Walls. Gina Walls, yo dit que li te geta offri agent douanier yo parce que y'a sous prétexte li presse, le pap karete pour yo vérifier conteneur. Au premier fois, l'offri yo 3000 dollars américains, agent douanier yo dit fuck yo vérifie, si l'autre yo jeune fuck tout conteneur vérifié. Li passe de 3000, li monte à 4000 dollars, yo dit non fuck conteneur vérifié. Donc, qui sa situation en tapis aujourd'hui, si l'agent douanier te prend l'argent ça, non, mais madame Gina Rolls, et puis pas de vérifier conteneur te prend l'aller. Est-ce que ouais, nan ki ka nou tapis? Est-ce que ouais, nan ki ou on s'en bat nou tapis aujourd'hui là? Et c'est ça qui fait extrêmement important. Et m'a venu avec une émission pour nous, pour m'expliquer nous, comment système franchisant est. Qui procédure doit suivre l'opralement des franchises? Qui est-ce qui a droit, qui a accès pour jouer une franchise en Haïti? Parce que question franchise, ce n'est pas tout le monde qui a droit avec elle. Question franchise, ce n'est pas tout le monde qui a accès avec lui. Vous comprenez? Et franchise, elle parle de manière indéfinie. Donc, faut qu'on connaisse réellement qui ça bagaille et comment nèg yo traiter dossier. Et je dis là, zam qui est trafic zam qui implique l'église épiscopale d'Haïti, comment nèg yo a traité au niveau du parquet de Port-au-Prince, comment nèg yo a traité en dedans des CPJ, comment nèg yo a traité au niveau de douane, parce que pas oublier, nouveau directeur douane ça qui remplace Bel Romel là. Li rentre dans le contexte côté que ancien DGA yo reconnaît que il était impliqué dans corruption, que il était impliqué dans trafic d'âme. Jusqu'à présent, il cherche le chien fou yo pas joindre ni. Jusqu'à présent, pas jamais dans des commissaires gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, li doul pral mette action publique en mouvement pour l'enquêter pour le faire quoi que ce soit. Donc nèg ki pi corrompu dans la République, c'est eux-mêmes qui gagnent toute autorité, c'est eux-mêmes qui gagnent toute légitimité pour faire ça, les gens veulent. Honnêtement, qui ça me voulait moi-même? Je voulais sécurité en dedans pays. Je voulais pour pays gagner sécurité, pour gagner stabilité politique, pour gagner développement qui fait de point de vue économique, pour gagner investisseurs qui rentrent et investir. Parce que si pas gagner sécurité, pas de stabilité politique, ou mettre faire quoi sur investissement étranger, ou mettre faire quoi sur développement économique, qui n'est pas jamais possible. Tout pays qui a fonctionné, c'est ça qui permet le pays de fonctionner. Tout développement économique autant de l'autre pays, c'est ça. Gen stabilité politique, la caillou, gen sécurité, au moins, gen garantie, l'investisseur vini, il n'y a pas de craser business, pas
gon groupe oligarque corrompu qui là qui prend monopole tout bagarre dans le pays, c'est seul yo qui a investi, c'est seul yo même qui gagne, qui a investi dans moto, c'est seul yo même qui a fait moto rentrer, c'est seul yo même qui a importé du riz, qui a importé pas de tomate, qui a importé meubles, etc. Li pas possible. Li pas possible comme ça. On pays pas fonctionner comme ça, pays pas fait comme ça. Mabdou, jodi an la nèg yo, moi même prend responsabilité pour me dire, nèg yo pas une volonté. Yo pa gen volonté pour yo résoudre problème insécurité n'a fait face avec li. 15 juillet a passé, on pa di nèg yo, 15 juillet a passé, m'attend matériel k'ap rentrer pour la police, m'pa ko jam ka wè matériel yo. C'est comme si le yo wè bagay lan chaud, peuple lan chaud. Li vle leve de yo, yo vin avec yo sorti là, yo vin avec information, bon information comme quoi pour yo fort d'homme. Pour yon fort dormi, depuis yon matériel pral entrer pour la police. Ou ap content parce que pral gen moyen pour yon résoudre problème de sécurité. Et puis c'est qu'on soit arrêté, temps passé, nèg yon fait temps passé, et puis nèg yon a détourné l'argent, blanchi l'argent. C'est pas l'argent nèg yon pa gagné pour yon tablou pral acheter deux hélicoptères pour la police. C'est pas moyen nèg yon pa gagné pour yon pral acheter drone pour bay la police, pral acheter équipement vraiment pour policier yon. Acheter char, acheter blindé là, mettre à terre. Pourquoi pe phénomène de sécurité en gang kap ferraille en dedans pays yo? Nèg yo seulement parle ou pa gen volonté yo. Ou bien madame la lim pa passe au l'autre là. Madame la lim mette interdiction formelle pour bagay sa ou fait en dedans pays yo. C'est ça pour me dire. Parce que ou ap gade Haïti gagne relation diplomatique, relation bilatérale, relation multilatérale avec un paquet l'autre pays. D'un point de vue et de l'armement qui ont même la caillou gen développement qu'a fait et yo pa gen problème yo fait drone yo fait ceci yo fait cela. Donc c'est pas pays Haïti pas en relation avec yo qu'a fait matériel et militaire. Au contraire, nous seulement pas choisi prendre responsabilité nous comme autorité, comme dirigeant, comme chef de la police, ministre de l'Intérieur, ministre etc., premier ministre. Mais sinon, je dis, ou t'as parlé de bandits, c'est vrai en Haïti, mais la police t'a bien moyen adéquat pour combattre l'insécurité, pour combattre bandits. Et ça, pire de la loi, je ne sais même les gars versaillants dans l'institution de l'État, dans le pays, qui a fourni bandits armes, qui a fourni bandits munitions, donc il paraît difficile pour résoudre le phénomène d'insécurité. Manque de volonté, et puis c'est seul moyen pour rentrer l'argent, pour faire comme yo. Donc, est-ce qu'on pense, on va demander. Bandi ansè men kap nourri nèg yo, yo pral koupe men an. Yo pral koupe men kap ba yo manje, men kap met manje nan bol yo, yo pral koupe l. Yo pa koupe li. Puisque jodi an, tout sa ki motive autorité nou yo dirijan de nan peyi an, se intérêt personnel yo, se ti intérêt mesquin yo. Sinon jodi an, tap Jean André Michel ki tap kampe. Même jan avan le matérialité la, le Jovenel de la, li tap mande kote kop Petro Caribe an, li tap mande pou yo initier procès Petro Caribe an. Jodi an li nan gouvernement, jodi an sou pouvoir li sou reini. Fok procès Petro Caribe an, fok li ta fèt. Faut procès Petro Caribe, faut nèg ça ou t'a plongé ou t'a sous l'eau. Il t'a indexé directement. Comme moun qui gaspille, qui gagote, qui mange la Petro Caribe, jodi, pouvoir l'amener, le pays l'amener, la justice l'amener, faut nèg ça ou t'a rembacon. C'est là pour comprendre, c'est un bagage basique ça pour comprendre que nèg yo pas fait rien pour peuple haïtien. C'est pas en question de pays, c'est pas en question intérêt pays, mais plutôt c'est intérêt personnel. Nèg yo font pas qu'être temps dehors pour voir. Pour nèg la rentrer dans le pouvoir, fok li montre wow, la bataille pour ou li kampe nan kan ou. Ou même le sa wap mache de elle, ou pral gonfle 20 mobilisation pour yo, ou pral gonfle mouvement mobilisation pour yo, et puis le ou fin jouen sa ou jouen. Non, y a bli yo, je dis, seul relation André Michel gen a peuple en son Twitter. C'est de téléphone ni de Twitter. Mais après ça, il va gen aucune relation direct à peuple en non à terre. Je dis, m'bon garanti André Michel, li peuple ta rencontre avec masse populaire. Parce que moun yo si gon leçon peuple haïtien prend, la grande majorité moun ki ta foule béton, ki ta fait manifestation, ak SDP, ak Diopod, ak Téa la, c'est que nèg ka fait politique, nèg ki constitue opposition politique en Haïti, son paquet vicieux yo ye, son paquet ti sousou, ti grand gou yo ye, depuis bouche boko rien la dol, kap mette nan tête peuple la barricade avenir yo, mais kou yo fin jwenn sa pou yo jwenn nan, ils s'en foutent du peuple. Je dis à comprendre bien.
Ou ka toujours défendre SDP, ou ka toujours défendre Zepod, ou ka son on fervent militant Montana Pen, ou ka son fervent défenseur Ariel Henry gouvernement à 11 septembre Jean-Noël Tobé Alexis Fella. C'est principal porte-parole à 11 septembre pour ne pas dire Ariel Henry, parce que Ariel Henry avec Tobé Alexis c'est poisson casé dans bouillon, c'est spaghetti nèg za yo. Et nous la réalité qui gen là. Nèg yo avec yo pa wè. Yo pa wè sa ka passe en dedans pays. Donc c'est jodi an la yo konnen que nan douane nan gen zam ka rentre. C'est jodi an nèg yo konnen tout douane nan pays an supposé gon scanner qui pou contrôler conteneur k ap sorti, conteneur k ap rentre pour éviter trafic, pour éviter zam rentre nan pays an n'importe qui jan, pour zam sorti a jwenn bandi n'importe qui jan. Comment scanner van? Est-ce qu'on comprend? Si bagay basique ça, ouais, tout ça qui basique, nèg yo pas choisi faire, c'est volonté ou pas gen pour yo faire. Jodi an la, madame Alim n'a gen responsabilité un an encore dans tête binu. Pour nèg yo fin ak paye, pour nèg yo fin planifier chaque nation conscient. Ou gen pour prendre conscience d'un seul bagay. C'est madame Alim qui mettait G9 famille à lié côté li là. C'est madame Alim dou qui mettait Jovenel Moïse 6 pieds sous terre côté li là. Parce que tout chef qui sont vrais chefs, qui ont responsabilité pour défendre l'intérêt pays, qui ne peuvent pas soumettre avec l'ordre blabla, l'ordre monde qui vient passer, ils prennent responsabilité envers une nation, ils ont engagement envers une nation, ils ont seul bagage pour faire défendre l'intérêt pays. Et c'est une des raisons où Moïse Jean-Charles, malgré tout le bagage qu'il a dit sous lui, au moins il fait preuve de cohérence. Il montre cohérence si il a gagné. Ce n'est pas défendre ma défendre Moïse Jean-Charles, mais je constate les faits. C'est sa réalité. Moïse Jean-Charles lui montre une certaine cohérence. L'innocénat, il a commencé à dénoncer Matéli pendant tout le mandat. Il a dénoncé Matéli. Matéli, le mandat sénateur est fini. Matéli a choisi de renouveler le mandat sénateur. Il a même li campé dedans. Il n'a pas choisi pour renouveler le mandat. Il a quitté le Parlement l'année. Jovenel Montel continue de Jovenel, c'est continuité Martelly, PHTK, etc. Li kapé en face Jovenel. Et je dis à la même l'entendé au doux, moi Jean-Charles, li gen moun nan pouvoir, gen moun nan ceci, gen moun nan cela. Pas ni youn qui en mesure pour yon vini pour yon doux, mais moun moi Jean-Charles te mette, mais kote te mette, mais ceci, mais cela, mais chèque la touche, mais. C'est pas que li pa en fait, non? C'est pas que li pa en position pour le négocier avec nèg pouvoir, non? Mais au moins, ou pa wè trace nèg lan kite. Déranger peuple, déranger nation, li montre le bon certaine cohérence. Et mettez sous ça, li dou li même li pa négocier avec États-Unis. Même le la voyage aux États-Unis, li pa négocier avec États-Unis, etc. Y a fait réunion avec différents acteurs politiques, moi je ne sais pas mettre pied, li a promoté relation sud-sud. Là, si on a regardé, a dit Moïse Jean-Charles, il y a une certaine cohérence. Mais après ça, il y a fait politique à terre. Qui cohérence yon gen? Yon tan kou ti chien blanc, ti sou sou blanc, ti sou sou États-Unis, kor groupe se yon même, binu se yon même, yon pran l'autre lè yon vle. Yon passe yon l'autre lè hôpital, yon ka les oreilles yon lè hôpital. Je dis, on paye pas ka mache kon sa. Dirigeant par contre sou sou, dirigeant par contre tête à terre. Pour finir, m'a dit non. Nous, un dossier douane dans la nèg, yon montre yon fond sou ke quoi. Mais espérer yo continuer sous ke corps parce que bon paquet conteneur nan douane nan la ki gen zam ak munition la dedans. Faut que al fouye yo, mais c'est pas seulement fouye yo, le yo fait saisir ça, faut que assurer yo que yo pa pral tourner à jeune met yo. Et c'est ça que fait jodi en plus que jamais, média yo doit gagner une certaine consistance sous question zam qui a rentré en dedans pays, qui a rentré dans port yo. Toujours poser question pour konn côté zam sa yo. Pour konn qui est cap gérer entrepôt qui gen zam sa yo. Pour pas disparaître grain par grain, ça extrêmement important et qui soit constaté. Depuis le fin renouvelé mandat binu la madame la ligne renouvelé mandat ou pas attendre un seul coup guest sur la fond calma et à fond baissé. Ariel rencontré avec agent exécutif intérimaire yo moun magistrat qui dans commune là yo gétant pral délivrer yo pral porter aide humanitaire bay moun ka vivant de cité soleil yo pral porter ti manger pour yo soutenir yo. Donc nous pensons si guerre pas de baisser, si bagay, si guerre ça massacre ça fait dans la cité soleil, s'il pas de bon relation rapport direct avec Bimu avec le gouvernement madame la ligne, ou pas stable que tout bagay ça yo combat meurtrier ça guerre meurtrier ça qui fait dans la cité soleil, parce que ça existe. Ça même Jean-Jean et guerre à fond baisser là, c'est qu'on sort ka wè kidnapping nan li font baisser parce que madame la ligne là li gon période conseil sécurité nations unies gen jé sou li là.
pendant près de 21 jours pour regarder qui évolue, etc. Donc, pendant tout petit temps, ça a bon calme. Bon garantie à bon calme, bon petit passe mais on petit carré ses têtes qui fait poser les enfants et puis après on a recommencé bon petit temps ça. Donc c'est ça qu'Haïti, hein. J'en dis on la responsabilité, hein. C'est responsabilité, responsabilité nous autres. Gen moun ki pa reme travail ka fait là parce que gen moun ki estime nous trop direct, nous bay bagay la jan liye, hein. Nous pas vinn bere nèg, pa ni bèm, pa ni mambam, pa ka nan bere o. D'ailleurs, moi-même, si pays m'était bon, je dis en là, gros paquet excès, ma femme pas d'abjon me faire. Gros paquet excès, ma femme pas d'abjon me faire. Parce que m'tap konne m'gros pays pour m'vivre. M'gros pays, m'a vivre là dans le temps commun. Yo respecte m', yo respecte travail moi, yo respecte effort moi. M'pas d'abjon pour m'a chercher fui pays. Donc, je dis en là, c'est situation chaque jeune en Haïti. C'est situation chaque famille en Haïti, gardez comme on ka courir quitter Haïti, courir quitter pays ou ka bouquer fâché frustré le travail qu'a fait là, on pas empêcher travail la fête. OK, on pas empêcher travail la fête. Donc parler de Yannick en bien, parler de Yannick en mal, l'essentiel faut parler parce que moi-même mon connait objectif m'gain, mon connait qui côté mien, mon connait qui côté me veut aller. Mon connait comment me veut vivre dans pays, mon connait qui pays me veut gagner. C'est ça qui priorité me dire. Donc m'espérer que travail là la récompenser parce que peuple haïtien tôt ou tard ou gen pour prendre conscience ou supposer agir ou supposer impliquer dans bataille qu'a fait pour pays ou non pas gen pays de réserve et même l'autre a un pays de réserve ou t'a un pays ou gen résidence dans ou a voyager ou a faire tourisme il pas pays ou li pas pays ou pays moun pas pays ou c'est la caillou la caillou. Donc nous impliquer dans bataille ça, nous mettre pied nou à terre ensemble pour nous garder par qui façon dans qui moyen nous ca remettre campé ce figu pays nous Haïti. Rendez-vous li casser pour demain sous même chaîne dans même lieu les micro présentation. C'est toujours même Yannick la même voix, rien pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Gebon c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gain pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale. Compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan largeur. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien, sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix.